Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, c'est Congo News. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays, la République démocratique du Congo. Bien-aimés, comme d'habitude, avant de commencer, nous disons merci à tous nos abonnés. Merci beaucoup. Bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de l'élection des sénateurs et élection provinciale. Bien-aimés, FCC vient de remporter 84 sièges sur 100 au Sénat, Lamuka 12, le cas pour le changement 3, UNC 1. Ce n'est pas possible. C'est une fraude bien organisée entre Kabila et Nanga pour maintenir pour que Kabila soit sur la scène politique. Bandeko, les aliments à Komona été, FCC a remporté 84 sièges dans le Sénat, Lamuka 12, K pour le changement 3, et puis INC 1. Les aliments à peuple a sepelita tomboki. Comment on a dengé une fraude de l'Ekaki? Alors, bien aimé, Kabila est en danger. Malgré qu'il a remporté 84 sièges de FCC, il est en danger. Parce que peuple a dit comment on a mis sauté. Bien-aimés, vous savez très bien que l'Union européenne et les États-Unis supportent à 100% le président Félix Tshisekedi. Les États-Unis avaient envoyé le secrétaire d'État adjoint Peter Nagy, qui était là hier à Kinshasa. Il a dit ceci, c'est le message de Donald Trump, il a dit ceci, que nous supportons Tshisekedi à 100% d'aller de l'avant, une bonne gouvernance, lutter contre la corruption. Alors, bateau nyon sur sa corruption, basan a va sanctions européennes et américaines. Et puis, ma kamine nezolanda bang. Il peut faire tout ce qu'il veut, bien aimé. Cela n'empêcheront jamais président Félix de gouverner. Parce que le président Félix est entouré par l'Union européenne et les États-Unis. Il est bien supporté. Et les pays, l'armée, supporte président Félix Tshisekedi. Donc, ça n'empêchera jamais à notre président de gouverner et régner. Bandeko, oyo nyonso bomoni be élection ou eleki. Ba manœuvre nyonso Kabila za kosala et kogi jamais ko empêcher président Félix de gouverner Bandeko. Bobangati, le président Félix va gouverner et régner. Tout cela, ce sont les manœuvres de Kabila et Nanga pour qu'ils restent sur la scène politique. Mais ça ne sera pas pour longtemps tout ce qui se passe là-bas, à FCC. Parce que le président de la République a un soutien du peuple, de l'armée et la communauté internationale est derrière président Félix Tshisekedi. Alors, Bandeko, à vous de commenter sur la fraude de Nanga et Kabila. Comment 600 sièges, 84. Et comment 24 provinces du pays, l'Assemblée provinciale,
et vous avez 24 provinces. Et bientôt, le gouverneur aussi, ça sera la même chose parce qu'il y a une fraude totale qui se passe. À vous de commenter, bien-aimés. Notre beau pays et qu'on continue qu'au tambour à Bouiti. Ils allaient mawa comment on a comment les manœuvres de Kabila et FCC. Et mawa zo sala mutema comment on a que ces membres de FCC, la plupart aussi sont des Congolais, 100%, mais ils supportent Kabila 100% pour leurs propres intérêts. Ils allaient voir comment on était même bata FCC en avant des coups. La plupart, la majorité, n'ont pas ça, Congolais. Alors, ils ont supporté Kabila pour avoir intérêt en avant. Alors, bien-aimés, nous vous informons que le président de la République va régner et gouverner, malgré les manœuvres qui se passent. À vous de commenter, bien-aimés. Parce que fraude et en gros, au moins, on a mis sur le peuple à Tomboki déjà. T'as là, il va tomber le bureau à PPRD. T'as le peuple à Tomboki. Alors, Kabila est en danger. Malgré la victoire au Sénat. À vous de commenter, bien-aimés. Au revoir et à la prochaine.